Bonjour et bienvenue à cette quatrième vidéo de la série des Sudoku, dans laquelle on va terminer une première version opérationnelle du jeu en codant l'algorithme qu'on applique quand un utilisateur clique sur une cellule pour changer sa valeur. Pour rappeler ce dont on est parti, on a d'abord codé le sprite du manager avec la création de la liste des valeurs du Sudoku. Et puis ce manager a envoyé au sprite cellule un message pour lui dire de démarrer, le message start. Et dans le sprite de la cellule, ce que l'on a fait dans la vidéo précédente, eh bien on a créé des clones et on les a mis au bon endroit avec la bonne couleur et avec la bonne valeur. Ça nous a conduit au logiciel suivant, au niveau de la cellule du sprite. Quand le sprite reçoit le message start, il crée 81 clones et quand chaque clone démarre, on met à jour ses données, la valeur, le numéro de ligne, de colonne et le numéro de carré. On l'envoie au bon endroit et puis ensuite on lui dit d'afficher la bonne valeur, par exemple le 3, le 1, le 4, avec la bonne couleur selon que le sprite est verrouillé ou pas. Donc on a déjà fait tout ça, ce qui est l'essentiel, et maintenant on n'a plus qu'à s'occuper du jeu lui-même quand on clique sur une cellule pour modifier sa valeur. Et ce qu'on va faire, c'est vérifier que c'est une valeur possible. Et si oui, eh bien, on va la mettre à jour dans la liste des valeurs. Vous allez pouvoir démarrer à partir de la version de l'application que vous avez réalisée à l'étape précédente. Mais dans tous les cas, on vous propose un canevas dont vous pouvez partir sans avoir à refaire les étapes documentées aux adresses indiquées ici. Donc, vous pouvez repartir d'une version de l'application disponible à l'adresse indiquée ici et qui comprend le code suivant. À ce code, on va rajouter l'algorithme qui correspond au moment où le joueur clique sur une cellule, quand ce sprite est cliqué. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire quand on clique sur une cellule? Eh bien, on va augmenter sa valeur entre 0 et 9, et ensuite on reviendra à 0, et ensuite on va basculer vers le nouveau costume correspondant à cette nouvelle valeur. Mais cette action, on ne doit la faire que si la cellule n'est pas verrouillée, autrement dit que si cellule fixe est égale à non. Ensuite, eh bien, on va vérifier si cette valeur est possible et on verra ses conditions de possibilité juste après. Si la valeur est possible, eh bien, on va mettre à jour la liste des valeurs pour cette cellule et comme c'est une valeur possible, on va afficher la cellule en blanc. Donc, on va annuler les effets graphiques. Sinon, eh bien, on va jouer un son pour prévenir l'utilisateur et on va afficher la cellule en rose. Et ensuite, par sécurité, on va remettre la cellule au bon endroit en appelant la procédure aller à position, parce que quand on clique sur les cellules, souvent on les déplace par mégarde. Passons maintenant au codage de l'algorithme qui correspond au clic sur la cellule. Je vais d'abord déclarer la procédure, vérifier si valeur possible. Je vais afficher le pseudocode pour le suivi du développement et je commence donc ce script par un test sur la variable cellule fixe qui doit être égale à non si je peux cliquer sur la cellule. Si c'est le cas, eh bien, j'augmente de 1 la valeur et pour que cette valeur ne dépasse pas 9, eh bien, je la recalcule modulo 10 pour qu'elle revienne à 0 quand elle dépasse 9. Ensuite, je vais basculer sur le costume dont le nom correspond à cette valeur et je vais appeler la procédure vérifier si valeur possible. Cette procédure que l'on verra tout à l'heure met à jour à oui ou non la variable valeur possible. On va tester cette variable. Si elle vaut oui, c'est que la valeur proposée est possible. Donc, on va la retenir et mettre à jour la liste des valeurs du Sudoku pour cette cellule. Alors, j'ai oublié de vous dire plus tôt de déclarer cette variable, mais vous devez le faire. Et ce qu'on va faire aussi, c'est annuler les effets graphiques pour que la cellule apparaisse en blanc. Et si la valeur possible vaut non, ça veut dire que cette valeur est déjà utilisée dans la même ligne, la même colonne ou le même carré. Dans ce cas-là, on va jouer un son pour alerter l'utilisateur et on va donner un effet graphique pour que la cellule apparaisse en rose. Et le dernier truc qu'on va faire, c'est de remettre la cellule à l'endroit initial parce que des fois, on la déplace en cliquant dessus. On peut maintenant tester. Je vais faire si valeur possible est oui ou si valeur possible est non.
J'appuie sur le drapeau vert. Si je clique sur une valeur déjà renseignée, il ne se passe rien. Et si je clique sur une valeur vide, eh bien, il m'autorise toutes les valeurs. Je vais tester maintenant pour valeur possible égale non. Si je clique sur une cellule vide, j'entends l'alarme et elle apparaît en rose. Ce qu'il nous reste à faire, c'est la procédure vérifier si valeur possible, qui va nous dire si une valeur est autorisée ou pas. Alors, quelles sont les règles à appliquer pour vérifier qu'une valeur est possible ou autorisée dans une cellule? Eh bien, cette même valeur ne doit pas être présente dans la même ligne, dans la même colonne ou dans le même carré. C'est les règles de base du Sudoku. Si on prend le cas de cette grille, les valeurs possibles dans cette cellule sont 2, 6 et 7, dans cette cellule 2 et 7 et dans cette cellule 3, 7 et 9. On va donc devoir comparer la valeur de la cellule sur laquelle on a cliqué avec la valeur des autres cellules de la même ligne, de la même colonne ou du même carré. Alors on va utiliser une boucle et à chaque fois on va stocker l'information correspondant à la cellule comparée dans de nouvelles variables locales, le numéro de l'autre cellule, le numéro de ligne de l'autre cellule, de colonne ou de carré, et la valeur de l'autre cellule également. Vous allez donc déclarer ces variables comme variables pour ce sprite, les vérifier et on va se mettre au pseudocode. Ce que l'on va faire, c'est rechercher s'il existe dans la même ligne, la même colonne ou le même carré, une cellule qui porte la même valeur que celle recherchée. Si on ne le trouve pas, eh bien, la valeur possible restera oui, et si on la trouve, on fera passer valeur possible à non. Mais il y a quand même quelque chose auquel il faut faire attention, c'est premièrement ne pas comparer la cellule avec elle-même, et deuxièmement ne pas traiter les cellules qui portent la valeur 0. Ou une valeur vide. Alors, allons-y pour le pseudocode. On va d'abord mettre la valeur possible à oui, et puis on va répéter les comparaisons sur toutes les cellules, en utilisant comme index le numéro de l'autre cellule. Pour Scratch, on va le reformuler de la manière suivante. On va mettre à 0 numéro autre cellule. On va faire 81 répétitions en ajoutant 1 à numéro autre cellule à chaque itération. Ensuite, on va devoir lire les variables de l'autre cellule. Et puis, on pourra attaquer les comparaisons. La condition, c'est que le numéro de cellule et le numéro de l'autre cellule soient différents pour ne pas comparer la même. Et la deuxième condition, c'est que la valeur de l'autre cellule ne soit pas égale à 0. Autrement dit, que cette autre cellule ne soit pas vide. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder si les valeurs sont les mêmes. Et si oui, alors il y a un risque de conflit. Et dans ce cas-là, on va regarder si le numéro de ligne ou le numéro de colonne ou le numéro de carré sont les mêmes. Et dans ce cas-là, on va dire que la valeur possible est égale à non. Donc au final, la valeur possible reste à oui, sauf s'il a trouvé une autre cellule non vide avec la même valeur et ou bien la ligne, ou bien la colonne, ou bien le carré en commun. Alors, ce que je vous recommande, c'est de coder vous-même cette partie-là, qui est très proche dans son résultat de ce qu'on a fait. On met la valeur possible à oui, l'autre cellule à 0, on répète 81 fois, et dans cette répétition, on a les trois conditions imbriquées. Le seul élément un petit peu nouveau, c'est le fait de lire les variables de l'autre cellule, c'est-à-dire la valeur, le numéro de ligne, le numéro de colonne et le numéro de carré. Eh bien, cette procédure qu'on a appelée « mettre à jour variable autre cellule », c'est la même que la procédure qu'on a déjà écrite pour la première cellule, sauf qu'on a changé les variables. Vous voyez ici « valeur autre cellule » au lieu de « valeur »,« numéro ligne autre cellule » au lieu de « numéro ligne », etc. De la même manière, il faut changer l'index. Vous avez l'index, c'est « numéro autre cellule » au lieu de « numéro cellule ». Alors, il ne faut surtout pas oublier de le faire pour les quatre paramètres, sinon les résultats seront faux. Alors voilà l'ensemble des blocs qu'on a ajoutés. Quand ce sprite est cliqué, qui va incrémenter la valeur de chaque cellule et puis qui va vérifier si la valeur proposée est possible en faisant appel à la fonction vérifier si valeur possible. On va maintenant pouvoir tester. Je clique sur le drapeau vert et je passe en plein écran. Je vais tester la valeur de la première ligne. Donc là, c'est le 5 qui est valide. Donc il reconnaît bien le 5. Ici, le 7.
Et là, je peux avoir plusieurs valeurs, le 2 et le 7. Donc, je ne sais pas conclure pour l'instant. Alors, vous pourrez jouer au Sudoku, mais vous remarquerez qu'il y a peut-être un petit défaut dans cette version, c'est que quand une valeur est invalide, elle reste affichée quand on change de cellule. C'est un petit point qu'on pourra corriger dans la version suivante. Allez, à plus!